Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous avez vu, structure d'album. On va faire ensemble le tuto de A à Z de l'album Pretty Mosaic que vous avez pu voir dans sa version noire. Je vous remettrai en barre d'infos, en petit i, pardon, la vidéo de présentation. Ici, on va le refaire, mais sur fond blanc. Alors, on va commencer déjà par cette première vidéo à faire la structure ensemble. Donc, il va vous falloir deux cartons de 21,5 sur 21,5. Et un carton de 21,5 sur 6 cm. Hop là, c'est noté. Hop là, il va nous falloir deux morceaux de craft gommé. Hop là. Je vais le ranger direct. Hop là. Voilà. Il va nous falloir du double face. Donc j'ai pris trois tailles différentes. Et bien évidemment, du papier blanc. Alors, on commence par installer le craft gommé. Donc, sur le côté brillant, on met de l'eau. Hop là. Voilà. On met notre tranche. Et alors, voilà. Moi, je fais comme ça pour être sûr que ce soit droit. Je l'espace un petit peu, je vais dire un centimètre à peu près. Hop là, pour que ça aille bien droit. Voilà, c'est ma nouvelle manière de faire pour être sûr que j'ai laissé un petit peu trop. C'est pas grave, on recommence. Hop. Hop là. Voilà. Hop. Hop. Et j'ai pas mis d'eau. Ici. Et voilà. Donc hop. Ensuite, on recommence avec le deuxième. Hop, on met de l'eau bien partout. Hop là. Donc je le replace pour être sûr qu'il soit bien droit. Hop. Hop, 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 hop. Normalement, là. Hop là, il est pas droit. Et là, il est droit. Hop là. Encore une fois, un peu trop. À chaque fois, hop. Et voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, alors c'est pas ma journée, je me demande pourquoi d'ailleurs je vous tourne la vidéo aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je fais la structure, puisque la première fois je l'avais fait trop grande. Oui, non mais c'est tout moi, en ce moment c'est d'une catastrophique Marie. Moi je vous le dis. Alors, double face. Je prends d'abord le grand qui s'en va. Hop là. Et je vais venir mettre sur... Hop là, ma structure. Hop là. Alors, pourquoi je suis passée au double face alors qu'avant je mettais de la colle? Tout simplement parce que au moins là, ça ne gondole pas. C'est tout bête. Le seul hic par contre du double face, c'est que une fois posé, c'est posé. On peut plus modifier l'emplacement en fait. C'est juste le hic. Il faut le poser bien du premier coup. Hop là, je vais prendre mon petit accessoire magique pour bien les faire adhérer. Et là, il va me falloir la taille en dessous. Déjà retiré
ici, et les deux autres, ici et ici. Hop là, je vais prendre une feuille blanche et le placer, enfin la placer ici. Je fais mes marques. Voilà. On continue. On enlève de ce côté-ci. Ah, il ne veut pas se décoller. Voilà. Correctement. Hop là. Là, je vais juste remettre un coup petit pour là. Hop là. Vous voyez bien, toujours. Hop là. Voilà, je reprends une autre feuille. Et alors là, il faut bien la mettre, et ce, du premier coup, pour pas qu'il y ait d'espace. Hop. Après, vous pouvez aussi le superposer. Personnellement, j'aime pas qu'il y ait, que ce soit superposé. Voilà. Hop là, pareil. Je marque. Hop. Et hop. Et oui, ma technique change par rapport à mon dernier tuto. En même temps, voilà. C'est en avançant qu'on trouve de nouvelles façons de faire. Des techniques qui nous plaisent plus que d'autres. Hop là, un petit dernier pour la route. Ici. Hop là. Et je reprends une feuille blanche. Hop là. Hop. Et impeccable. Là, on retourne et on continue de marquer nos plis. Ici. Donc voilà, voilà, je prends mon petit accessoire fétiche que je m'étais fabriqué. J'en avais fait deux. Le second est caché dans le fond. Je casse tout ici. Donc je remettrai dans le petit i le tuto également. Hop là. Et mon crayon. Je vais y arriver. Je vais, promis. Promis, au bout d'un moment, j'y arrive. Hop là, je fais mes petites marques. Hop là, et je vais venir couper. Je vais ranger juste mon double face que j'aime. Hop là, pour le moment. Alors que je vais en avoir besoin, mais ce n'est pas grave. Hop là. Et on va reprendre notre double face et pile poil. Pile poil.
Ah non, un poil trop grand. C'est pas grave. On va faire quand même avec. C'est vraiment un petit poil trop grand. Hop là. Ici, je vais revenir. Ce qui dépasse. Le rentrer. Voilà. Et hop. Pareil. En bas. Alors oui, j'use beaucoup de double face en faisant comme ça, mais franchement, c'est tellement mieux. Pour ma part, je préfère amplement. Hop là, alors. Je vais peut-être prendre mon petit ciseau. Hop, ça va être mieux. Hop. Là, et je re-rentre ici ce qui manque, ce qui dépasse, et hop là, pareil de ce côté-ci, hop. Après, j'aurais pu couper aussi en biais. Ça coller là, c'est pas grave. Hop. Hop là. Et je rentre bien mes angles. Voilà. Hop. De ce côté là aussi. Et ce que je vais faire, je vais mettre un grand ici. Je rentre là et ici. Et je vais en mettre un petit qui est là. En haut. Hop là. Et voilà, notre premier côté est fait. On n'a pas marqué les plis. Ici, voilà. Et un. Et deux. Et vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus net. Hop là. On continue de ce côté-ci. Hop là. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Mais alors, nous, au Havre, il fait très, très lourd. Là, il est midi. Franchement, j'ai très très chaud. J'ai ma fenêtre qui est ouverte. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux du coup. Il fait très très lourd. Il y a du soleil. C'est pas non plus la folie au niveau du soleil, mais franchement, il fait très très lourd. Hop. Oui, là, j'ai coupé en biais. Hop là. Et nous sommes le mercredi 27. Ouais, j'essaie de. Je vous raconte un peu tout et n'importe quoi. J'essaie de vous meubler un petit peu, que vous vous ennuyez pas trop en regardant ce tuto. Hop, je rentre bien mon gros beurre. Je vous aurais bien mis de la musique, mais. Après, YouTube, il va me l'enlever. Hop. Hop là. Et un petit. Voilà.
Et du coup, voilà pour la structure d'album. Il ne nous reste plus qu'à faire ici. Et j'ai une chute de papier qui va le faire totalement. Vous voyez, hop là. Regardez, pensez toujours à regarder dans vos chutes ce que vous avez. Hop, je vais prendre directement le gros gros. Alors ça, c'est pareil pour toutes celles qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit « Maric, je comprends pas parce que à chaque fois que je veux mettre du coup... faire ma structure, au niveau de la tranche, souvent vous me dites que ça gondole. » Oui, alors moi aussi, ça me le fait souvent. Et j'ai beau laisser sécher, par moments, ça gondole quand on veut le replier. Et du coup, j'ai trouvé l'alternative. Hop là, pour éviter que ça gondole. Et bien, c'est celle-ci, c'est le double face. Donc là, je sais que Ninon doit rentrer pas mal de petites choses aujourd'hui. Il faut que je me tienne au taquet au niveau de sa boutique parce que je voudrais aussi du double face. Et je ne sais pas si elle en a rentré. Je crois que j'ai loupé le dernier arrivage. Et ouais. Donc, on laisse bien dépasser de chaque côté. Et on le place. Hop là. On appuie bien. On marque bien nos plis. Et... adieu les bulles d'air. Donc voilà, voilà, là on a fait notre structure. Voilà, une petite vidéo, une première petite vidéo assez rapide. On aurait pu faire la couverture ensemble aujourd'hui aussi, mais on ne va pas la faire puisque une, je n'ai pas reçu donc le bijou d'album qui doit aller ici. Et de deux, je vais en profiter justement pour qu'on soit à plat pour faire les intérieurs de couverture. Donc moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et on fera ensemble les intérieurs de couverture. Bisous, bisous!